Et donc, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, attendez, je voulais juste rentrer vite fait sur cette danse. Sur cette danse là, attendez. Favori, ok, attendez, je vais juste voir un truc là, sur cette danse. Mon favori, attendez. Voilà. Il y a un lama sur le dos de la danse. Bon, c'est pas le principal, d'ailleurs, me demandez pas pourquoi j'ai le signe platine. Je ne sais pas, moi aussi. Donc regardez, nous avons eu la révélation du nouveau skin du club de Fortnite qui s'appelle Assassin du Cube. L'Assassin du Cube traverse les dimensions dans le pack du club de décembre, bientôt disponible, donc le 1er décembre. Et aujourd'hui on est le 24. En gros, 25, 26, 27, 28, 29, 30... Ouais, voilà, donc oui, donc dans une semaine nous avons le skin du club de Fortnite, du coup normalement dans une semaine, parce que c'est le du coup c'est le 1er décembre, normalement dans une semaine, quelque chose comme ça, et ben nous avons le skin à 5 du cube à minuit, à 1h du matin. Voilà, donc la scène du cube traverse dimension dans le pack du club de décembre, bientôt disponible, je le disais tout à l'heure, on en fiche. Donc, on peut le voir là, et comme à chaque skin du club de Fortnite, on va l'analyser. Parce que j'ai analysé j'ai analysé quelques clubs de Fortnite avant. J'avais analysé, je crois, le skin KO originel. Je crois pas que j'avais analysé Sierra. Mais bon, bref, on va analyser le skin du club de Fortnite. Comme je peux plus faire de live, on peut plus faire de live où je teste les skins du club de Fortnite. Je vais tout le temps les analyser et les découvrir. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc voilà, la petite assassin du cube qui est en vrai stylé. Donc passe de combat pour les abonnés actifs. Prochain passe de combat dans le chapitre 3 saison 1. Bon, il y a marqué chapitre 2 saison 9, mais c'est normal. C'est en fait Fortnite, ils ont mis ça automatiquement. Donc si par exemple la prochaine saison c'est si par exemple la saison par exemple le chapitre 3 saison c'est pas attendez, par exemple si on passe au chapitre 3 prochaine saison, il y aura marqué prochain passe de combat dans le chapitre 2 saison 10. Et si on passe chapitre 2 saison 2, il y aura marqué prochain passe de combat dans le chapitre 2 saison 11 ou chapitre 3 saison 1 saison 2 saison 3. Bon, je sais pas, un truc comme ça. Bon, bref, voilà, et c'est parti, on va découvrir ça. Donc nous avons Assassin du Cube, impénétrable et impitoyable, fait partie de l'ensemble Hoglaglyphique. Donc il y a deux styles, donc il y a un style réactif, oui, regardez, donc là elle est en train de s'activer, regardez sa tête, regardez ses glyphes, voilà, tout est en train de s'allumer en fait. Et soit ben, nous avons un style non réactif, c'est-à-dire là c'est un style ouais, pas réactif, en fait c'est le style comme ça. Ah non, attends, c'est pas le même style. Là elle est plus allumée. Là elle est moins allumée. Bah attendez. Voilà, en gros c'est ce style là. Ouais. Bon bref, voilà. Donc moi je la trouve super stylée. Et moi je pensais vraiment qu'elle allait être dans la. Hein? Quoi? Non mais quoi? Assassin du cube impénétrable et impitoyable. Fait partie de l'ensemble Hoglaglyphique disponible depuis chapitre 2 saison 4. Chapitre 2 saison 4. Chapitre. Mais on est au chapitre 2 saison 8 et elle vient juste de sortir. Chapitre 2 saison 4. Le skin était prévu depuis chapitre 2 saison 4. Attends, je comprends pas trop là, c'est bizarre. Pourquoi il y a marqué chapitre 2 saison 4 alors qu'on est en chapitre 2 saison 8? Attendez, je ne comprends plus rien. Bon bref, voilà. Bon ben apparemment chapitre 2 saison 4, hein, voilà, réactif, ouais. C'est même pas un skin Marvel et elle est sortie pendant, apparemment elle devait sortir pendant la saison Marvel.
Ok, d'accord. Bon, je sais pas. Oh, c'est un bug. Je pense que c'est plutôt un bug. Allez, ensuite, le sac à dos de. Ben, j'allais dire la reine du cube. De la saison du cube. Cubisme. Un cube au carré. Fait partie de l'ensemble horoglyphique disponible depuis chapitre 2 de saison 4. Réactif, style choix. Donc, nous avons. Ouais, le style réactif, oui. Regardez. Attendez. Ouais, en gros, le cubisme. Il fait un peu comme. Oui, oui, il fait un peu comme le skin. Oh, il s'allume. Oh, par contre, comme ça, il est super stylé. Et après, nous avons un style comme ça. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que apparemment, on devait avoir d'autres styles du sac à dos. On devait avoir un style pour sac à dos, un style violet, et un style or, et un style rouge aussi. On devait avoir ça normalement. Je comprends pas. Voilà, ensuite nous avons du coup les pioches, donc l'âme au cube, ne les décevez pas, c'est parti l'ensemble oraglyphique, disponible, ah voilà, regardez, chapitre 2 saison 4, chapitre 2 saison 4, disponible depuis chapitre 2 saison 8, voilà, le bug il est réglé, bon bref, voilà, réactif oui, ah mais ils ont oublié de mettre le réactif, regardez, ils ont mis oui ou non, mais ils ont oublié de mettre le réactif, dans le mot, regardez, il y a marqué... Il y a marqué deux petits points oui, deux petits points non. Bon, voilà. En gros, ça c'est le style réactif. On se le mérite. Ok, d'accord. Et bon, on fait comme le skin et le sac à dos. Ok, d'accord. Bon, j'adore ces objets réactifs. Quand ils sont réactifs, ils sont allumés au maximum. Je pense qu'il va falloir faire des kills. Et là, c'est trop 208. Ok. Marque d'assassin. Bon, j'adore ce. Revêtement. Affichez votre style disponible depuis chapitre 2 saison 8. Réactif animé. Réactif. Réactif et animé. Attendez. Oh, attendez. Mon skin il bouge tout seul. Et ah, mais j'arrive pas. C'est ma manette qui fait. Oh punaise, je vais m'énerver. Voilà. Non mais. Tu te dépêches. Voilà. Ok, du coup je suis là, ouais. Donc, oui, on peut voir. Mais attends, mais je vois pas ce qu'il y a de réactif par contre. Ah! Enfin, d'animé, je voulais dire. Pas entre actif, je ne comprends pas. Animé, je comprends. Regardez, il y a un cube qui bouge là. Bon, c'est un peu nul quoi. Bon, ce revêtement, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Enfin, c'est un revêtement qui ressemble à un autre revêtement. Voilà, ce revêtement un peu. Ben oui, mais il ressemble trop à ce revêtement. Le revêtement de la reine du cube. C'est le revêtement de la reine du cube, je crois. Non, c'est dans le poste de combat. Incubation. Il ressemble trop à ce revêtement. Attendez, je vais mettre saison 8 pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Saison 8. Ok, ben oui, mais il ressemble trop à ce revêtement-là. On est d'accord? Ouais, bon. Mais il ressemble trop. En plus, les cubes, c'est exactement les mêmes. Bon, ben, il ressemble trop. Ok, d'accord. Bon, sinon, nous avons fini à analyser. On va voir si. On va voir. Enfin, on a fini de regarder. On va juste vraiment bien analyser. Voir s'il n'y a pas des petits secrets. À part qu'elle a des pierres du cube un peu partout, là, sur son corps. Ouais, avec une sacoche. Ouais. Bon, sur le skin, en fait, le skin est un peu vide. Il y a un peu rien sur le skin, mais stylé, mais il y a un peu rien. Il y a un peu rien. Il y a un peu rien. Waouh, par contre, comme ça, elle est trop stylée. Comme ça, elle est trop stylée. Bon, le sac à dos, à mon avis, il n'y a rien. Par contre, moi, je me demande, je me suis toujours demandé, c'est quoi le truc? Parce que le sac à dos, il a déjà été leak. C'est quoi tout ce qu'il y a autour en fait? Parce qu'on dirait, qu'au milieu il y a un cube et autour il y a tout, il y a tout. On dirait une nouvelle ville qui va arriver pour le chapitre 3. Ça se trouve, c'est une nouvelle ville qui va arriver pendant le chapitre 3. Ou pendant l'événement même. Peut-être que la ville du cube va à un moment pendant l'événement changer. Et à un moment, la ville du cube va devenir dans l'événement. Il va rester un cube. Et ce cube, il va faire ce qu'il y a sur le sac à dos.
Ça se trouve, un cube. Attendez, attendez, je regarde. Impénétrable et impitoyable. Okay, je regarde vite fait. Impénétrable et impitoyable. Non, je crois qu'il n'y a pas secret sur la description. Auraglyphique. Non, marche. Un cube au carré. Bon, voilà, à part qu'il est carré, voilà, non, il n'y a rien. Ouais. Ne les décevez pas. C'est exactement la même structure que ça. Je comprends pas. Je comprends pas ce que. Oh, bon, lame au cube. Ouais, il y a beaucoup de cubes. Ouais. Ça se trouve, à un moment, on va aller dans l'espace, il y aura plein de cubes qui vont flotter. Je sais pas, je pense à ça, moi. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura ça. Oh, ça serait trop stylé si pendant l'événement concluant de chapitre 2, et ben j'aimerais trop qu'à un moment on aille dans l'espace pour la toute première fois. Ça serait trop bien. On voit la Terre en bas. On voit la Terre en bas et on va dans l'espace. Et en fait, il y a une explosion au milieu. Il y a une explosion au milieu qui nous amène dans l'espace. Ensuite, on voit tous les cubes qui étaient dans la vie du cube dans l'espace. Et à un moment, on va voir le sac à dos de l'assassin du cube dans l'événement. Ça serait trop stylé. On va dans l'espace, on va planer, tout ça. Ce serait une marque d'assassin. Du coup, c'est une assassin qui vient du cube ou c'est une assassin qui tue les cubes? Parce qu'un assassin du cube, je vois pas trop. Assassin du cube, ça veut dire, ouais, bah à mon avis, elle est plutôt avec les cubes parce que sinon elle aurait pas tous ses glyphes sur elle. Bon, j'aime vraiment son dernier style. Parce que là, ok, là les trucs sont un peu invisibles. Les glyphes, ils sont un peu invisibles, mais à la fin, ils sont illuminés, sa tête. Attends, mais. Ah, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait aussi sur sa capuche. Oh, non, mais j'ai trop hâte d'avoir le skin, vraiment. Il est trop stylé. Voilà, dites-moi vos avis, mais on a peut-être pas le même avis aussi, mais là. Bon, là, ils ont eu la flemme d'écrire réactive. Bon, sinon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc voilà, donc dites-moi si cette vidéo vous a plu. On a analysé le skin et tout, à mon avis, aucun secret sur le skin. Voilà, donc dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pouce bleu, abonnement, et je vous dis bye bye.